Ao sol está,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Damus te benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gracias agimus sibi potem magna gloria tua. Domine Deus rex celestis, Deus pater omnipotens, Domine Filio unigenite Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patri, qui dulli spirito amuti, amavi miserere nobis, qui dulli spirito amuti, amavi suscite tempestazione nostra.
Hades, Hades, deram patrie, miserere nobis, coniam tu solus santus, tu solus domino. Tu solus altissimus, Iesu Christe, cum santos viritos, in gloria Dei Patri, amen. Gloria, gloria, gloria in Excelso, exulte la paz, omnibus, omni voluntati. Au cours de cette Eucharistie, nous penserons à prier pour le pape émérite Benoît XVI, qui est gravement malade. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui as révélé au monde que les artisans de paix seraient appelés tes fils, aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir une paix solide et véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit, lui aussi, marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai dans cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Sois au ciel et
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, Noël, Noël, Alléluia, aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur, c'est une grande joie pour nous, Noël. Alléluia, Noël, Noël, Alléluia, aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur, c'est une grande joie pour nous, Noël. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Veuillez vous asseoir. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il le bénit en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnait de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute, le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent d'un cœur de grand homme. » Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Oh, Seigneur.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur le Gouverneur du District autonome d'Abidjan, Révérend Père Arthur Boula, chargé d'affaires à l'Annonciature apostolique, Messieurs les ministres, Excellences et ambassadeurs, chers amis, Révérend Père, chers frères membres du Forum des confessions religieuses, Révérend Sœur, chers frères et sœurs, tout en vous souhaitant à tous la bienvenue dans cette cathédrale, mon désir le plus profond est que notre célébration eucharistique de ce soir dépasse largement le cadre des simples formalités et que la prière que nous ferons monter ensemble vers Dieu pour notre pays et pour le monde entier puisse nous offrir la paix qui vient de lui, source de tout véritable progrès et tout bonheur vrai. Et comme chaque année, en vous invitant à vous joindre à moi pour notre traditionnelle messe de la paix, je me fais encore une fois l'agréable devoir de vous partager les grandes articulations du message que le pape nous adresse. Message ce père revient sur la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, de crises majeures qui doivent interpeller l'humanité. Selon lui, seule la fraternité et la compassion la problématique du message qui nous est adressé pour cette année à l'occasion de la 56e journée mondiale de la paix se résume en ces mots que je cite. Après 3 années, l'heure est venue de prendre le temps de nous interroger, d'apprendre, de grandir et de nous laisser transformer tant individuellement que communautairement. J'ai déjà eu l'occasion de répéter qu'on ne sort jamais identique des moments de crise. On en sort soit meilleur, soit pire. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous demander qu'avons-nous appris de cette situation de pandémie? Quel chemin nouveau devons-nous emprunter pour nous défaire des chaînes de nos vieilles habitudes pour être mieux préparés pour oser la nouveauté? Quel signe de vie et d'espérance pouvons-nous saisir pour aller de l'avant et essayer de rendre notre monde meilleur? Fin de citation. Cette problématique relève
parfois à long terme, un malaise général qui a grandi dans le cœur de nombreux individus et familles avec des effets considérables alimentés par de longues périodes d'isolement et diverses restrictions de liberté. La COVID-19 a touché certains aspects sensibles de l'ordre social et économique, faisant ressortir des contradictions et des inégalités. Elle a menacé la sécurité de l'emploi de nombreuses personnes et aggravé la solitude de plus en plus répandue dans nos sociétés, notamment celle des plus pauvres, des plus faibles et des pauvres, qui sont restés sans emploi et sans aucun soutien durant tout le confinement. Félicitations. Mais à la pandémie de la COVID-19, s'ajoute un autre fléau. Une guerre de plus, en partie comparable à la COVID-19, mais cependant motivée par des choix humains ou pas. La guerre en Ukraine, qui sème des victimes innocentes et répand les certitudes, non seulement pour ceux qui sont directement touchés, mais aussi pour tout le monde, de manière étendue et indiscriminée, y compris pour tous ceux qui, à des milliers de kilomètres de distance, souffrent des effets collatéraux. Il suffit de penser aux problèmes du blé et du prix du carburant. Excellents frères et sœurs, s'il est indéniable que les conséquences de la pandémie ont eu un fort impact sur nos communautés, il est important pour nous d'en tirer des leçons. Selon le pape, la première leçon est la conscience du fait que nous avons tous besoin des uns des autres, que notre plus grand trésor et aussi le plus fragile est la fraternité humaine fondée sur notre filiation divine commune et que personne ne peut se sauver tout seul. Il est donc urgent de rechercher et de promouvoir ensemble des valeurs universelles grâce au chemin de cette fraternité humaine. La seconde leçon est que la confiance dans le progrès, la technologie, et les effets de la mondialisation n'a pas seulement été excessive, mais s'est transformée en un poison individualiste et idolâtre, menaçant la garde souhaitée de justice, de comprendre et de paix. C'est donc à nous de comprendre que les problèmes généralisés de déséquilibre, d'injustice, de pauvreté et de marginalisation alimentent très souvent des troubles et des conflits et engendrent des violences, voire des guerres. En effet, la guerre en Ukraine, comme tous les autres conflits, répandus de
par le monde est une défaite pour l'humanité entière et pas seulement pour les partis directement impliqués. Alors qu'un vaccin a été trouvé pour la COVID-19, des solutions adéquates n'ont pas encore été trouvées pour la guerre. Le virus de la guerre est certainement plus difficile à vaincre que ceux qui affectent l'organisme humain, car il ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, du cœur humain corrompu par le péché. Mais il n'y a pas de quoi rester pessimiste. Je cite encore le pape François qui, tout en reconnaissant que 3 années après la survenue de la pandémie, que ce n'est certes pas l'ère post-Covid que nous espérions ou attendions, il nous invite à nous laisser charger le cœur par l'urgence que nous avons vécue, c'est-à-dire permettre à Dieu, à travers ce moment historique, de transformer nos critères habituels d'interprétation du monde et de la réalité. Nous ne pouvons plus penser seulement à préserver l'espace de nos intérêts personnels ou nationaux, mais nous devons y penser à la lumière du commun, avec un sens communautaire, c'est-à-dire comme un bout ouvert à la fraternité universelle. Nous ne pouvons pas continuer à nous protéger seulement nous-mêmes, mais il est temps de nous engager tous pour guérir notre société et notre planète, en créant des bases d'un monde plus juste et plus pacifique, effectivement engagé dans la poursuite d'un bien qui soit vraiment commun. Tout son appel à comprendre que personne ne peut se sauver tout seul. Appel doublé de l'invitation à repartir après la COVID-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix. Cet appel et cette invitation se font sur un constat implacable. Je le cite. De nombreuses crises morales, sociales, politiques et économiques que nous vivons sont toutes interconnectées. Ce que nous considérons comme étant des problèmes individuels sont en réalité aux conséquences des unes des autres. Nous sommes appelés à relever les défis de notre monde avec responsabilité et compassion. Nous devons réexaminer la question de la garantie de la santé publique pour tous, promouvoir des actions en faveur de la paix pour mettre fin aux conflits et aux guerres qui continuent à faire des victimes et à engendrer la pauvreté. Prendre soin de manière concertée de notre maison commune, mettre en œuvre des mesures claires et efficaces pour lutter contre le changement climatique, combattre le virus des inégalités et garantir l'alimentation ainsi que le travail décent pour tous, en soutenant ceux qui n'ont pas même un salaire minimum et se trouvent en grande
missionnaires en nous dépassant dans cette situation. Avec un désir altruiste, inspiré par l'amour infini et miséricordieux, que nous pourrons construire un monde nouveau et contribuer à édifier le royaume de Dieu qui est un royaume d'amour, de justice et de paix. Le cycle infernal de la violence engagée qui revient.
pays est oublié dans le développement des infrastructures routières, ce qui engendre des inégalités sociales et un sentiment de développement à toute vitesse. Toute chose qui pourrait créer des ressentiments et dont les conséquences sont malheureusement prévisibles et qui n'augurent rien de bon pour la paix, l'unité et la cohésion sociale. Chers frères et sœurs, habitants de la Côte d'Ivoire, sans être pessimiste, je voudrais reprendre la problématique du début de mes propos. À l'aube de la nouvelle année, nous sommes appelés à nous demander qu'avons-nous appris de cette situation de pandémie. Quel chemin devons-nous emprunter pour nous défaire des chaînes de nos vieilles habitudes pour être mieux préparés pour verser la nouveauté? Quel signe de vie et d'espérance pouvons-nous saisir pour aller de l'avant et essayer de rendre notre monde meilleur? Aujourd'hui, je voudrais affirmer haut et fort, à la suite du pape François, que même si les événements de notre existence semblent tragiques et que nous nous sentons poussés dans le tunnel sombre et pénible de l'injustice et de la souffrance, nous sommes appelés à garder le cœur ouvert à l'espérance, en faisant confiance à Dieu qui sera présent, nous accompagne avec tendresse, nous soutient dans notre fatigue et surtout guide notre chemin. C'est sur ces mots que je voudrais souhaiter à mon tour, au cours de la nouvelle année, nous puissions marcher ensemble en conservant précieusement ce que l'histoire peut nous apprendre. Oui, à tous, je souhaite une bonne, heureuse et merveilleuse année 2023. À la prière de la Vierge Marie, que Christ, son divin Fils, nous obtient que notre vivre ensemble soit pour chacun des habitants de notre pays amour et vérité, justice et paix pour la gloire de Dieu et pour une Côte d'Ivoire où il fait vraiment envie. Amour et vérité,
que par la puissance de l'Esprit Saint, il protège, comme l'a dit lui-même, et s'engage sur la voie de la connaissance, de la réconciliation, de la justice et de la paix. Seigneur, des fratricides, des catastrophes naturelles, du chômage, des crises économiques, alimentaires et migratoires, provoquant ainsi de grands inconvénients. Afin que le Seigneur les aide, les réconforte et les soulage dans leur corps et dans leur âme. Cette chambre afin que les divisions et les rivalités entre nous disparaissent pour que nous soyons partout un signe d'amour et de vérité, d'unité et de partage, de justice et de paix. Seigneur, oh, yeah.
et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à mes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi, de toi l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous sous cette paix, comme il a réalisé parfaite, toi qui m'aimes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, de la charité du Christ, donnez-vous la paix.
grâce intérieure de notre enfant Jésus, par la Saint-Augustin à vos côtés, nos petits enfants qui sont venus chanter avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.